Non, mais ça va-tu mal, t'as pas de manche, non, mais je vais vous dire pourquoi ça va mal. Non, mais c'est vrai, tabarnouche, une personne sur cinq au Québec souffre de maladie mentale. Les autres habitent en Ontario. Hey, j'ai un de mes amis l'autre jour, il vient me voir. Il arrivait de chez le docteur, qui était là. Il arrivait de chez le docteur, il était là. On va le faire deux fois, ils vont rire. Là, j'ai dit, qu'est-ce que t'as dit, le docteur? Il m'a dit, il faut. Une maladie mentale. J'ai dit, pas dedans! Une maladie mentale. Arrête de parler de même, on dirait que t'as une maladie mentale. Il me dit, je suis bipolaire. Quoi? T'as une maladie de femme? Ah! C'est qui écrit chou, là? C'est la madame, là, voyez-vous? C'est votre mari, c'est à côté? Et le monsieur, quand ça s'est pas fait, ils vont laisser ça dans le rouleur. Ah, c'est... Hey, Stéphane, savais-tu qu'ils vont des freins, il y avait une bonne toune? Les gars, je pense. Les fesses. Les fesses. Il y en a des grosses, il y en a des belles. Il y en a des hautes en société. Les fesses. Les fesses. Il y en a des ronds, il y en a des pètes, il y en a qui sont faites pour s'amuser. Les fesses, les fesses, les fesses, les fesses, les fesses. Aujourd'hui, tout ce qu'on entend parler, c'est des fesses. OK, ça, Joël, ça compte pas dans la fesse parce que c'était la présentation. C'était les fesses. Non, mais bien, c'était la présentation.